Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Phylor. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on a la patate. Aujourd'hui il y a tout ce qu'il faut, tu vois. On est là, on a de la bonne énergie. Alors on va parler d'un truc triste. Yes, énorme. On va parler de l'échec. Aujourd'hui, alors l'échec c'est un mot qui fait peur. Déjà, qu'on soit tous clairs, tu vois, ça fait hyper peur. Et c'est vrai, on va pas se mentir, ça fait hyper peur. Et c'est simplement parce que on a tous peur de l'échec. Et c'est vraiment quelque chose qui doit forcément arriver. Et moi ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. C'est pour ça que j'ai eu cette idée de vidéo, parce que j'ai subi un gros échec pour moi, en tout cas ce que je ressens moi. J'ai ressenti ça comme un gros échec. Je vais vous en parler juste après. Et du coup ça m'a donné l'envie de faire cette vidéo pour je pense pour toucher des gens. Puis ça nous aide à tous arriver, voilà, de subir un échec. Donc ça peut être intéressant de voir ça d'un œil différent. Donc plutôt que de se laisser abattre. Donc il y a très peu de temps, enfin j'ai commencé mon permis en juin. Et donc j'ai eu mon code, etc. Enfin, j'ai commencé code et permis en juin. J'ai eu mon code du premier coup en début août. Et là, du coup, il y a de ça 2 semaines. Donc là, on est le 6 novembre, il me semble. Ouais, c'est ça. 6 décembre, pardon. Il y a 2 semaines, je crois. J'ai passé mon permis. Il s'avère que j'ai bégayé, franchement j'ai perdu pas mon calme, mais genre voilà, enfin le stress, on va dire entre guillemets, a pris le dessus un peu. Et j'ai fait de la merde, tu vois, j'ai fait un truc très très moyen, alors que d'habitude je conduis, celui qui me donne les cours, ce sera plus facile. Il m'a dit ouais bah nickel, enfin si tu conduis comme ça tu l'as, y a pas de problème, tu vois. Donc là j'ai fait de la merde, j'ai fait vraiment vraiment de la merde, mais genre une faute éliminatoire. Donc ce qui m'a valu une faute éliminatoire, niquer du permis du coup, enfin j'ai pas eu mon permis. Donc c'est ça mon échec, voilà, j'ai raté mon premier passage. Alors c'est mon premier passage, hein. Donc mon premier passage au permis. Et j'avoue que ça a été une grosse claque dans la gueule. Ça a vraiment été hyper dur pour moi. En plus de ça, bah, je vous parle, c'est encore assez vif pour moi parce que ça date d'une semaine et demie, 2 semaines. Donc c'est assez compliqué aussi de vous en parler. Mais en gros, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on s'en fout. Mais ouais, j'ai fait une faute éliminatoire qui m'a fait que hop, terminé. Et donc j'ai été recalé. Ça a été hyper dur pour moi parce que j'ai très peu subi d'échecs dans ma vie. J'ai eu le brevet direct, j'ai eu le bac direct, j'ai eu le code direct. Je suis rentré dans mon école, l'école où je suis actuellement directement. J'ai jamais redoublé de ma vie, j'ai toujours eu des notes correctes. J'ai pas eu de gros échecs, on va dire, dans ma vie. Si ce n'est sentimental, mais ça c'est autre chose, on peut pas trop le relier, parce que ça dépend pas trop de soi, tu vois, genre entre guillemets, genre si la meuf veut te quitter, bah t'es baisé, elle te quitte et terminé, tu vois, et ça se trouve elle a ses raisons, et toi t'es toi-même, donc c'est tout quoi, tu vois, c'est juste vous n'étiez pas fait pour être ensemble. Mais l'échec sur un projet ou quelque chose de personnel, c'est hyper dur, tu vois, genre là ça te touche personnellement parce que tu sais que c'est toi qui as fait de la merde, tu sais que c'est toi qui a chié, c'est toi qui a pas été à la hauteur à ce moment là et ça c'est hyper dur au niveau moral et tout quoi, ça te met une grosse claque, ça te tabasse, tu vois. Donc c'est vrai que j'ai été très mal pendant quelques jours. Honnêtement j'étais un peu dans mon coin tout tranquille, histoire de me remettre de ça. Et ça m'a pas fait du bien, hein, honnêtement. Donc c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Parce que je pense que
comment est-ce qu'il faut réagir à un échec? Comment est-ce qu'il faut aller de l'avant et tout, tu vois? Et parce que c'est ça le but, les gens, enfin on va tous, tu vois, on va tous subir des échecs. Et moi j'en ai subi très très peu dans ma vie, ce qui fait que bah, ça m'a, le premier que je me suis pris là, on va dire, ça m'a mis une grosse tatane, tu vois, genre ça m'a claqué la gueule. Et donc bah, c'était super dur. En fait ce qu'il faut faire, moi je dirais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut relativiser, tu vois. Déjà, il faut se dire que voilà, ça arrive à tout le monde, que je suis capable, là dans mon cas, bah, de conduire quand même, mais c'est juste que là j'ai fait de la merde sur le coup, et voilà, ça arrive de ne pas être à la hauteur aussi, ça arrive à tout le monde d'avoir des échecs, et j'en aurai encore d'autres dans ma vie dans le futur, donc ça c'est sûr, mais donc voilà, en fait il faut voir plus loin que ça, il faut pas voir l'échec en soi dès que tu l'as, il faut voir directement plus loin, comment est-ce que tu peux rebondir, comment est-ce que tu peux avancer, comment est-ce que tu peux, faut pas te laisser écraser par l'échec, faut surtout pas faire ça, parce que sinon t'es fini, après tu fais plus rien. Il faut surtout, bah voilà, essayer de continuer à sortir, continuer à voir tes potes, avoir du soutien de ta famille ou de tes proches, tes potes ou quoi. Ça c'est hyper important d'être bien entouré. Et moi je sais que dans cet échec là j'ai beaucoup été soutenu par mes proches, donc ça m'a vraiment énormément donné de force pour continuer, tu vois, enfin pour pas me laisser dépasser par cet échec. Et et du coup bah c'est vrai que ça aide énormément, je vous le cache pas, ça m'a pas mal aidé. Et puis voilà, il faut toujours continuer de faire ce qu'on aime à côté, continuer de faire ses passions, encore une fois, c'est un peu comme un échec amoureux, il faut voilà, penser à autre chose, il faut faire ce qu'on aime, travailler aussi à côté, et voir comment ne pas reproduire cet échec, tu vois. Genre comment on peut faire pour pas refaire la même erreur, refaire le même chemin pour arriver encore à cet échec. Voilà, comment ça se fait? Il faut essayer d'analyser le fait de bah, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché, tu vois, pourquoi est-ce que ça a été un échec, pour pouvoir peut-être, si tu retentes par la suite, ou enfin ça dépend, c'est très général ce que je dis, mais si par la suite tu vas réussir enfin, quoi. Et donc moi c'est vraiment ça le conseil que je vous dis, que je vous donne, pardon, c'est vraiment bah, d'analyser qu'est-ce qui allait pas, comment aller de l'avant, comment prendre le problème, qu'est-ce qui s'est passé bah, pour que ça soit un échec, et justement bah, rebondir là-dessus, essayer de voilà, de pas se laisser dépasser, de pas se laisser abattre. Il y a tellement pire dans la vie en vrai, tu vois, genre il y en a qui crèvent de faim, tu vois, il y en a qui n'ont pas d'eau potable dans le monde encore, il y en a qui... Il y a encore des tragédies de ouf, ou des gens qui sont tués parce qu'ils ont une certaine religion ou quoi, ils sont dans des camps, c'est horrible, tu vois, genre il y a des trucs, mais c'est 10 fois pire que ce que j'ai vécu, et c'est là où j'arrive à relativiser, tu vois, à me dire, mais en fait, enfin, mec, mais c'est rien, on s'en fout, tu vois, c'est pas grave, des échecs, t'en auras d'autres, juste, voilà, tu vas de l'avant, hop, tu le refais, et bam, ça va le passer, tu vois, ça va le faire. Et c'est comme ça que je pense qu'il faut penser dans la vie, il faut, tu vois, faut être combattant, et c'est et voilà, enfin même les plus grands ont tous eu des échecs, et maintenant ils sont arrivés au stade où voilà, ils sont acteurs, ils sont enfin ils sont PDG d'une grande boîte, enfin on est tous passés par des échecs, et c'est ça qui forge aussi notre caractère et notre mental de demain. Et justement il faut avoir du mental et bien s'accrocher et être en mode ok, c'est pas grave. De toute façon, c'est bon, de toute façon, c'est pas grave, j'y arriverai la prochaine fois, je le ferai, il n'y a pas de problème et tout. Après, c'est hyper facile à dire plutôt qu'à faire, évidemment, mais les premiers jours, de toute façon, vous allez passer par... C'est comme le sentiment amoureux, la rupture amoureuse, vous allez passer par tous les sentiments inimaginables et possibles après, par la suite. Et le dernier sentiment, ça doit être vraiment de,
de vouloir d'avoir cette soif de vaincre et de revanche. Et voilà. Je pense que, enfin, c'était une vidéo rapide et hyper courte, mais voilà, je pense que le sujet est pas hyper grand. Je pense que c'est juste comme ça qu'il faut voir les choses et essayer de rebondir à un échec. Et voilà, se dédramatiser la chose et se dire qu'il y a il y a bien pire dans ce monde, tu vois. Vraiment, il y a 10 fois pire. Voilà, après, je sais pas quoi vous dire de plus sur ce sujet, j'ai rien préparé. Mais c'était un petit peu un sujet comme ça. Donc je verrai si je dois faire une partie 2 avec plein de choses que j'ai oubliées ou pas, mais il me semble pas. Donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Lol, du coup. Ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous. Vous pouvez également partager la vidéo sur les réseaux, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Bye tout le monde.